Ça t'attend. On t'attend. Parlez plus. Allez, action, on échauffe le haut du corps. Allez, on pousse. Et de l'autre côté. Et on va y aller doucement, a priori, aujourd'hui. Et encore une fois. Et devant. Voilà, si vous avez tout coupé votre micro, on est mal. Hein. Et en haut. Il n'y a pas Thérèse alors? Tu veux qu'on chante? Pas du tout ça, ça là. Non, elle veut nous entendre souffrir. Il faut que je pousse toute seule. Oh, j'ai un t-shirt trop court, on voit ma graisse. Allez, on met les mains derrière la tête là. Et on va être un peu plus rapide. On va faire droite gauche sans bouger les hanches. Genoux semi-fléchis. Bassin rétroversé comme d'hab. Travailler la taille fine. Vous savez quoi, les merles prennent les cerises de mon voisin et viennent me les exploser sur la terrasse. On se remet debout comme ça, là, et cette fois devant et derrière, là, sur les côtés. Pareil, il n'y a que le haut du corps qui bouge. Maintenant, on va bouger la partie basse, donc on va venir ici, descendre à plat et toucher un pied à droite. Se redresser, on inverse avec la main gauche, on touche à gauche. On descend dos droit. Dos droit, on touche, on se redresse. Dos droit. Sur les côtés.
travailler un peu les épaules. On chauffe un peu les épaules. Les chats, ils montent sur le haut du barbecue pour essayer de sauter sur le toit pour attraper les oiseaux. Parce qu'il veut que tu le fasses cuire, peut-être. On va... Alors... On est parti, j'espère que vous allez m'entendre parce que comme je suis loin. Donc, premier exercice, comme si vous aviez un poids sur les épaules. Et les pieds largeur, un peu plus large que le bassin, genou semi-fléchi, bassin rétroversé. On met les mains soit sur les épaules, soit derrière la tête. On descend dos droit et on monte. On ramène. Dos droit, on monte les bras, on ramène. On souffle ici, dos droit. On finit de souffler les bras tendus. Et on ramène, on redresse, on inspire. Allez, sans poids. Puis vous travaillez le dos droit. On contracte les abdos hein, pour ne pas creuser le dos. Thank you.
sur les côtés, attention aux épaules, vous les montez en ouverture, complètement comme ceci. Donc on monte et on part. 1, 2, on ne bouge pas le bassin. 3, 4, 5. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous descendez, on monte ici par l'avant, là, et ici on va monter au-dessus. 1, attention, on ne creuse pas le dos, on a bien le bassin va être versé, on peut descendre vers l'avant pour être sûr de ne pas creuser. 3, 2, 1. Bon, c'est parfait. On va passer sur le tapis. Je vais regarder si on voit bien. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu une dizaine de pies là qui battaient dans les sentiers. J'avais les chats qui faisaient moi, comme si ils pouvaient les attirer pour qu'elles viennent tomber tout cuit comme des rôtis. Ah ouais.
On voit bien le tapis là? Yes. Ok. Top. Alors on va repartir au tapis. Donc vous savez, en actif, commencez à me connaître maintenant. On inspire devant. J'entends pas beaucoup quand tu es loin, par contre, hein, maintenant. Y a quoi? On t'entend pas bien. Ah ouais, faut que je parle encore plus fort. Mais alors les voisins, ils vont vraiment se demander ce que je fais. Hein. Prends un micro. On va investir dans un micro cravate alors. On descend. On souffle, main devant les pieds. On repart.
va, d'être toujours avec moi. Bon, les mouvements sur le ventre, on ne va pas pouvoir le faire. Je suis pas assez... Le sol n'est pas assez plat. Alors, on va venir ici. On va changer. Donc, toujours à quatre pattes. On va prendre le poids ici, on va ouvrir. Et on va faire en haut. Et après, on se mettra sur les genoux fessiers pour faire les biceps, pardon. Ça y est, c'est plus les muscles. Allez, à quatre pattes, main sur la poitrine ou au-dessus de l'épaule, et on ouvre.
en haut. Deuxième exercice sur les hanches, c'est que les hanches qui bougent. C'est parti. Informez le chrono. Pas que je vous fasse faire du rab. Allez. Position. Allez, démarrer. Là. Go. Allez, on monte, on descend le poids. Un. Ah non, pas de fin. Deux. Des poids plus petits, si on veut monter.
Allez, on se redresse. Les épaules basses. La colonne bien droite. La tête haute. On inspire devant. On souffle en descendant. Inspire. Souffle. Deux. Trois. Quatre. Regarde bien les bras en hauteur. Cinq. Six. Quatre, trois, deux.
téléphone qui me dit température trop chaude. Je ne sais pas si je peux l'arroser. Alors, bien embêté, je ne peux pas faire tous les exercices que je veux au sol avec le sol qui n'est pas droit. On va travailler un autre exercice. Je ne sais pas si on l'a déjà fait celui-là. On se met donc en tailleur ou avec les pieds devant, selon aussi une possibilité de genoux pour ne pas avoir mal. D'accord ? On vient ici mettre une main sur le genou, le dos est droit. Et ici, on va venir descendre, se redresser. Descendre, se redresser. L'objectif, travailler l'oblique et en même temps l'épaule et le biceps. On est parti et puis on fera un deuxième exercice avec les biceps entre deux. Allez, on est parti. Donc ici, je veux une rotation de l'intérieur. Hein. Grimpez pas là sur le côté. Hein. Le poing est orienté vers le ciel. On monte ici à l'intérieur. D'accord ? Pour bien tourner l'articulation. Monter comme ça, ça va faire aïe. C'est parti. Allez, on descend ici. 1. Vous laissez bien les os des fesses dans le sol et vous allez écraser ici la sangle abdominale sur le côté opposé. 1. On souffle. 2. 3. 4. 10, 7, 8, 8, 7, 10, 5, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore. Ici dos droit, toujours bassin rétroversé, abdos gainés. Vous devez vraiment avoir cette conscience de toujours serrer la sangle abdominale et les lombaires. Et on va partir. Un épaule. Donc soit sur les genoux, soit du sol. Selon que vous voulez donner comme forme à vos muscles. Plus vous êtes court, plus vous aurez des muscles ronds. Plus vous êtes long, plus vous aurez des muscles longs. On est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. On repose.
souhaite. On reprend les premiers poids. Et là, au lieu de revenir, donc on va partir comme ça sur le côté pour bien travailler les obliques. Et au lieu de revenir droit, on pousse ici à l'opposé. Donc on revient. 1, 2, on pousse. 3, on pousse. 4, ça vous permet de rester contracté. 5, 6, 7,
légèrement basculer à l'arrière. La tête en
à Yolande où elle en est pour genou. Ça va partir pour faire des poussons. Et on fait, on sort les jambes, on laisse la table abdominale la plus longtemps possible pour les cuisses. Et on vient tomber. Comme cours, mais je suis trempée de sueur, donc je vous ferai pas le cardio HIIT dehors. Nous ça va, hein, on trempe pas de sueur, hein. C'est bon. Regardez, elle nous a ramené le soleil. Oui. Mais pas chez regardez moi, le ciel bleu à Quin. Elle te l'a donné qu'à toi. Hein. C'est vrai, regarde, incroyable. Ah ouais, ça s'est bien dégagé. Ouais. C'est miraculeux. Merci Christine de ton partage. C'était très volontiers. Ah, excellent. Ah, bon, ça nous a fait du bien. Ouais. Oui.